Tu ne peux pas l'imaginer. Il suffit d'utiliser un tube en PVC et un flacon en plastique. Peut pomper l'eau d'un vieux puits à des dizaines de mètres de profondeur. Pas besoin de pompe. Non seulement l'électricité, mais aussi la main d'œuvre. Le processus de fabrication est extrêmement simple. Ensuite, regardez attentivement le processus. Oui, s'il vous plaît, Préparez le flacon en plastique. Raccord de tuyauterie. Certains des principaux matériaux du robinet. D'abord, coupez le tuyau en PVC de quelques dizaines de centimètres. Et le connecteur T. Installez ensuite le connecteur à l'autre extrémité. Connectez quelques centimètres de tuyau en PVC. Un autre connecteur est également installé. Coupez ensuite quelques centimètres de tuyau en PVC. Montez sur le coude. Notez que tous les connecteurs doivent être scellés. Pas de fuite d'eau. Puis connectez le flacon en plastique. Raccordez le robinet à l'autre extrémité. Puis il y a la buse en plastique. Montez sur de longs tuyaux en PVC. Puis à l'autre bout. Connectez le tuyau que nous venons d'installer. Puis il a mis le tuyau dans l'ancien puits. On tire le tuyau d'avant en arrière. Pression d'entra, ne ment. Il y a de l'eau dans la bouteille en plastique. Puis allumez le robinet. L'eau est sortie rapidement. Mais, ce pas incroyable, vous savez ce que, a fait? Oui, veuillez laisser un commentaire. Partagez plus d'inventions intéressantes chaque jour.